Bonsoir, bienvenue dans Mélodie Nocturne. Ce soir, nous accueillons deux pianistes. À y regarder, rapidement, superficiellement, on a l'impression que rien ne les rapproche et que tout les différencie. L'un, Florian Nohack, est un jeune pianiste dont tout le monde parle, incroyable, virtuose, qui laisse pantois tous les critiques et qui récolte les récompenses les unes après les autres. L'autre est un vieux sage, quelqu'un qui a passé toutes les épreuves et les douleurs de la vie et qui vient d'enregistrer un disque aussi épuré qu'un jardin japonais. Pourtant, au bout de 40 minutes, je suis sûr que nous trouverons quelques points communs entre cette fougue extraordinaire et cette sagesse splendide. Commençons avec Fred Hirsch, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Légende du piano jazz américain. Il vient d'enregistrer un disque qui s'appelle Silent Listening. Silence, écoutons. C'est une musique à peine. C'est une musique qui à peine dérange le silence. C'est une musique qui s'intériorise autant qu'elle le peut. C'est une musique qui bouleverse avec aucun effet, sans esbrouffe. Commençons par une vidéo où l'on voit Fred Hirsch chez lui, en train de jouer pour lui, ou plutôt pour tous les Fred Hirsch qui l'habitent, tous ses fantômes et ses anges. Fred Hirsch. Fred Hirsch, merci de nous faire l'honneur de venir vous asseoir sur ce canapé pour parler avec nous de musique. Very happy to be here. Je suis très heureux d'être ici. Je voudrais commencer par une petite question. Vous qui êtes une légende du jazz, qui avez enregistré tellement d'albums, joué avec tellement de grands musiciens, je voudrais vous poser d'abord une question paradoxale. Sur le silence, quelle est votre conception du silence ? Alors, c'est une grande question avec laquelle on commence. L'ancien dicton, si un arbre tombe au milieu de la forêt, est-ce qu'on l'entend ? Je pense que pour avoir du son, il faut qu'il y ait du silence avant. L'album, le titre de l'album, n'est pas l'écoute silencieuse, c'est silence, virgule, écouter. Et c'est pour parler non seulement de l'anticipation, mais du moment en fait, où on attend le prochain événement qui va se dérouler de manière organique, avec patience, ce qui ne veut pas dire que tout est lent, mais il faut que les choses évoluent, qu'elles naissent de ce silence dans l'auditorium merveilleux et sur le piano sur lequel j'enregistrais. Donc je pense que le silence, c'est quelque chose qui n'est pas assez valorisé dans notre société. Il se passe toujours quelque chose, on a toujours quelque chose dans l'oreille, quand on tape sur les emails, quand on court sur le tapis roulant, on a toujours du bruit. Et je pense que pour moi, c'était particulièrement important de ne rien avoir pour laisser mon imagination, pour laisser ressortir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez enregistré avec des duos, des trios, des grands orchestres.
qu'est-ce que ça change de jouer seul? Est-ce que ça n'a pas un côté encore plus fragile que de jouer avec quelqu'un? Fragile, oui. Mais vous savez, au piano, c'est une machine incroyable. C'est un orchestre, c'est comme une batterie, ça peut être un chanteur, ça peut être... on peut faire des registres extrêmes. C'est vraiment un instrument qui peut jouer plusieurs voix en même temps. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, d'ailleurs. C'est peut-être... Une spécificité de mon style à moi aussi. Je ressens lorsque je joue tout seul, mon interaction, c'est avec le piano et avec le son qui remplit l'espace. Donc oui, c'est fragile, mais ça peut aussi être très excitant. Je peux vraiment passer d'un énorme son fortissimo à un son vraiment presque rien. J'ai vraiment le contrôle de toute cette amplitude. Alors, j'ai ce contrôle, bien sûr, dans un groupe, dans un duo, dans un trio. Mais en solo, c'est vraiment ce qu'il y a de plus enthousiasmant pour moi en termes de couleurs, en termes de rythme que l'on peut obtenir, en termes de la dramaturgie qu'on peut créer. Dans cette époque où le bruit est tellement présent, j'ai mis votre disque et je l'ai laissé défiler tout entier. Et j'ai eu l'impression de comprendre plus de choses sur moi grâce à votre musique. Wow. Thank you for the compliment. Merci beaucoup pour ce compliment. C'est ce que j'espère. Accomplir. Je pense que c'est un album qui raconte une histoire et qui construit sur ses propres fondations. Beaucoup d'artistes pop maintenant, tout particulièrement, ils publient un single, et au bout de 10 mois, ils réunissent tout et ils en font un album. Même les producteurs légendaires. Oui. Lui et moi, nous appartenons à une génération qui croit que l'album a quelque chose de sacré, que c'est un ensemble qui dit un tout. Certains des morceaux font 3 ou 4 minutes, mais ensemble, en séquence, ils créent une histoire. Et je pense, sans vouloir surpenser la chose, qu'il y a vraiment un côté, on obtient quelque chose de plus quand on écoute cet album dans son entièreté. On va, dans cette émission, respecter la tradition. Quelqu'un qui vous connaît bien va vous adresser une question, une petite vidéo, parce qu'il vous connaît bien, c'est lui seul qui peut poser cette question. C'est le formidable pianiste français Paul Lai qui a quelque chose à vous demander. Bonjour Fred, je suis ravi de te savoir entre de bonnes mains avec Michel Monponté. J'ai toujours été ébloui par ton son de piano, par ton jeu d'une extrême délicatesse, d'une extrême finesse, et je me demandais quels ont été les artistes, que ce soit compositeur ou interprète, dans la sphère du jazz ou de la musique classique, qui t'ont inspiré et qui t'ont aidé à façonner, à modeler ton son qui est si singulier pour moi. À très bientôt. Salut. Quand je grandissais, il n'y avait pas de jazz dans la maison. J'écoutais uniquement de la musique classique, des quartets d'instruments à cordes, du piano. Et j'ai vraiment été happé par le son des grands pianistes du monde classique, Arch Rubinstein, Joseph Hoffman, Horowitz, et Glenn Gould, peut-être d'une certaine manière, et son rythme surtout. J'ai senti que le piano a une telle... Il y a tant de possibilités, tant de textures, tant de choses excitantes. On peut vraiment créer des drames d'une grande richesse. On peut construire tout ça dans la musique classique
du piano. Donc je pense, lorsque j'ai commencé à jouer du jazz, quand j'étais à la fin de mes années adolescentes à Cincinnati, je n'avais pas de professeur de jazz. J'écoutais des albums et je jouais avec des musiciens plus vieux. J'essayais de nouvelles choses, on me réprimandait, je réessayais. Et mon son, je n'avais pas une idée construite du son. Je faisais juste du bruit. J'étais petit et je jouais bruyamment. Et quand je suis arrivé à New York, après quelques années, j'ai étudié avec Sophia Rossoff, qui était mon professeur, qui m'a aidé pendant de nombreuses années. C'est elle qui vraiment m'a poussé à réfléchir au son, d'où vient le son, comment l'obtient-on, qu'est-ce qu'une phrase, comment est-ce qu'on peut amener de la couleur, pas seulement avec le travail des doigts, mais en utilisant tout son corps pour obtenir toutes sortes de rythmes et de couleurs. Et ensuite, j'ai eu une rupture dans ma vie pendant un an et demi où j'étais très malade, j'étais dans le coma pendant 2 mois et j'ai dû tout réapprendre derrière. Et quand je suis revenu, mon son avait changé un petit peu. Et je pense qu'après cela, après cette pause, c'est là que j'ai vraiment découvert ce que moi j'appelle mon son à maturité. Et là, j'ai 68 ans et je pense que je m'améliore encore un petit peu. J'ai encore des choses à apprendre. Et d'un point de vue sonore, cet album, Silence Écouté, c'est le meilleur album que j'ai fait de ma vie, étant donné les circonstances, l'acoustique, le piano. Et j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer cette femme extrêmement sage qui m'a vraiment ouvert la porte vers ce que je considère être mon son. On va vous écouter non pas seul, mais en duo, parce que le disque précédent était une merveille aussi, avec le trompettiste Enrico Rava, qui ne veut pas sortir d'Italie, lui, c'est ça, il veut rester en Italie. Vous jouez aussi avec Avishai Cohen. On va vous écouter, c'est une pure merveille. Quand on l'a écouté au montage, on devait en prendre 30 secondes, on a été incapable de couper. Enrico Rava, Fred Hirsch, la beauté à l'état pur. Comment on choisit, avec qui on va jouer? Est-ce que c'est un casting? Comment ça se choisit, un partenaire? Alors, je pense que si l'on y pense comme une conversation, particulièrement dans un duo, et comme vous savez, c'est une conversation musicale, quand on a une conversation avec quelqu'un qui nous écoute vraiment, pour moi, écouter, c'est un don que je fais à quelqu'un, vraiment une écoute active, et je pense à ce que je vais dire ensuite. Et donc, quand je joue avec un grand maître comme Enrico Rava ou tout autre grand musicien avec lequel j'ai joué en duo, leur capacité à écouter, à absorber ce que moi, je leur donne, ce que je crée, et la capacité à y répondre. Et ensuite, moi, je reformule une réponse derrière. Il y a certains chanteurs, vocalistes qui peuvent faire cela. Frances Spaulding. Avishai Cohen, le grand trompettiste. D'ailleurs, quand vous êtes en tournée, c'est Avishai Cohen qui remplace Enrico Rava. Je suis obligé de vous couper parce qu'il y a une question qui empiète complètement dans ce que vous êtes en train de dire. Et cette question, c'est évidemment la star de nos journalistes de jazz de France Musique que l'on salue, Alex Dutille, qui a une petite question à vous poser.
Hi Fred, à part le solo, tu joues beaucoup en duo et en trio. Est-ce que ça veut dire que pour toi, le jazz, c'est l'art de la conversation? Oui, bien sûr, oui, c'est l'art de la conversation. C'est des musiciens expérimentés qui se rencontrent autour d'un thème commun, autour d'une progression harmonique commune, autour de connaissances communes, apprendre à être dans le flow, et que l'on joue en duo, en trio ou en solo, c'est ça le plus important, c'est d'être dans le flow, le flux, de laisser les choses se passer dans l'instant présent, ne pas penser à ce qu'on va faire ensuite, ne pas regretter ce qu'on a fait précédemment, qui a pu être un peu décevant, et c'est ça que font les grands musiciens. J'aurais raison de vous décrire comme un musicien romantique et sentimental. C'est une question intéressante. Je pense qu'en raison du son que j'obtiens, les gens m'ont mis dans cette boîte du joueur de ballade, du pianiste sensible ou que sais-je. Mais je joue aussi avec beaucoup d'énergie rythmique, qu'il s'agisse de musique de swing ou de musique brésilienne ou d'autres. La musique de Thelonious Monk fait partie de tout concert que je donne. Donc il y a cette tentation peut-être de me mettre dans une boîte en particulier, mais d'un autre côté, je pense que la beauté, c'est ce dont on a besoin dans ce monde. Et donc je ne suis jamais offensé par le fait qu'on me dise que ce que je joue est beau. C'est un compliment très agréable. Et je suis aussi content si quelqu'un me dit « j'ai vraiment ressenti quelque chose » ou « quand vous avez joué cet encore, j'ai pleuré ». Je pense que c'est ça le pouvoir de la musique. Dans ce pouvoir de la musique à nous émouvoir, je ne connais aucun autre exemple aussi frappant de votre rencontre avec un autre musicien. C'est avec Anat Cohen, la sœur donc d'Avishai Cohen, qui joue The Peacocks. Regardez à quel point ces deux artistes non seulement jouent ensemble, mais s'écoutent. Quelle merveille. La date qu'il faut vraiment enregistrer, c'est le 18. Vous êtes en concert au Festival de Saint-Germain, n'est-ce pas ? Saint-Germain-des-Prés, à Paris. La France a une place importante pour vous dans l'histoire du jazz ? Oui, je pense.
Il y a eu tant de joueurs de jazz français significatifs, des pianistes, des saxophonistes, qui ont pu jouer avec Miles Davis. La France a toujours été très hospitalière au jazz. J'imagine que la voix des États-Unis, la radio, la Deuxième Guerre mondiale ont fait que les gens ont été de plus en plus conscients de la musique américaine de par le monde. Mais moi, il y a une place dans mon cœur pour la France, pour tout ce qui est français, la nourriture. Vous êtes ici, chez vous. Je voudrais signaler également, puisqu'on est dans les informations pratiques, le formidable rendez-vous le 27 mai au Châtelet, notre partenaire Jazz Magazine, qui fait une soirée autour des femmes dans le jazz, la place des femmes dans le monde du jazz, qui est une occasion d'entendre et d'écouter de merveilleuses artistes. Et nous écoutons la question que maintenant a à vous poser un directeur de salle, c'est la salle Le Bal Blomé à Paris, c'est Guillaume Cornu, c'est à lui votre question. Quand tu es sur scène, dans un club de jazz ou dans une salle, qu'est-ce qui est important pour toi de trouver pour que tu te sentes bien? Et qu'est-ce qui fait que tu pourrais t'y sentir mal, par exemple? Pour moi, la musique, on peut définir la musique comme... La définition de la musique, c'est le son et le rythme. Et qu'on parle de bag, de musique de pygmée, de hip-hop, de jazz, on parle de son, et une fois qu'on construit le son dans un rythme, alors c'est de la musique. Et il n'y a pas besoin que le rythme soit strict, ça peut être un rythme émotionnel, comme ce que je fais avec Annette Cohen. Ça, c'est des rythmes plus émotionnels, pas des rythmes nécessairement très construits. Ce qui me rend malheureux, c'est quand je joue sur un piano que je n'aime pas, tout simplement. Et paradoxalement, si un piano est mort, en fait, il faut travailler plus pour obtenir un son qu'on n'obtiendra pas au final. On ne peut pas se détendre. Donc, pour moi, si le son ne va pas, si je joue dans un trio et je n'entends pas bien l'équilibre des instruments, ou que je ne m'entends pas aussi bien que je l'aimerais, ou celui qui joue... la batterie, si le son est déséquilibré, trop fort, trop peu, si le son sur scène n'est pas équilibré, alors c'est très difficile de jouer parce qu'on commence à réfléchir. Alors que quand on est sur un piano sur lequel on est confortable et que le son est bien, je ne réfléchis même pas à appuyer sur les touches du piano. Ce sont juste des phrases. Ce n'est pas comme taper sur un clavier. Donc si le son est de bonne qualité, que le piano est de bonne qualité, alors en général, ça se passe bien. Oh, je voudrais signaler donc à le Festival de Jazz à Saint-Germain-des-Prés. Je l'ai dit. Vous avez... Pardon si cette question est un peu déplacée, mais je ne le crois pas, parce que vous avez fait un combat de la communauté homosexuelle qui a été victime du sida et qui a tellement souffert. Et vous avez vous-même une histoire douloureuse, compliquée, et de résistance et de survivance avec cette maladie. J'ai entendu dire que dans votre esprit, il y avait souvent cette idée de « c'est peut-être mon dernier disque ». Qu'est-ce que ça change de se dire « c'est peut-être mon dernier disque » ? C'est une très bonne question. Pour moi, ça fait 40 ans que je fais face au VIH. D'abord, ça fait que j'ai beaucoup de gratitude pour la carrière que j'ai eue. Je vais jouer à Saint-Germain-des-Prés bientôt et tout le reste. J'ai commencé à agir lorsque je pensais que j'allais mourir, et je me suis dit, maintenant je dois parler du fait d'être homosexuel dans la communauté jazz, le fait d'avoir le sida, essayer d'être un exemple. Et oui, si j'avais un album à venir ou un tour à venir, ça m'aidait à continuer à aller de l'avant, et je me disais, ah tiens, je vais pouvoir en faire un autre et un autre. Et je pense que quand on fait face à une maladie mortelle, et c'était une maladie mortelle jusqu'au milieu des années 90, c'était une maladie très mortelle, on a besoin de ces choses-là pour continuer à aller de l'avant. Et mon rôle en tant qu'activiste, ce n'était pas quelque chose que j'avais l'intention de faire, c'est quelque chose qui s'est présenté à moi. Et je me suis dit, si je peux aider les autres qui ont du mal avec notre identité, qui ont du mal à dire qu'ils ont le sida à leur famille ou leurs amis, alors peut-être que c'est ça fait aussi partie de l'œuvre de ma vie.
vie. Et moi, j'ai eu des moments vraiment terribles avec ma santé. Maintenant, je me sens très bien. Et j'ai plus de plaisir que jamais à jouer. J'ai écrit un mémoire qui s'appelle « Les choses agréables arrivent doucement » et je pense que c'est ce qui m'est arrivé. Et cette sensibilité. On va vous écouter en trio, « Trio for No One » de Paul McCartney, avec Herbert... Ron Herbert à la basse, Eric McPherson aux drums, ce qui va nous permettre de recevoir notre invité classique qui, lui, n'a rien à voir, paraît-il, avec vous. Florian, bonsoir. Florian Novak. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Alors, c'est le pianiste dont tout le monde parle actuellement. Vous sortez des disques à chaque fois, la critique vous remet les diapasons d'or, Classica vous a remis un choc d'or. Comment fait-on pour à chaque fois avoir un tel impact sur les gens qui aiment la musique classique? En fait, ça, c'est pas moi qui le détermine. C'est-à-dire on fait soi-même ce qu'on aime et ce vers quoi on se sent appelé. On essaie de le faire avec le plus d'authenticité, le plus de qualité, le plus d'exigence. Et puis, voilà, moi, c'est vrai que c'est chaque fois une surprise et une très bonne surprise de voir qu'il y a un public, qu'il y a des gens qui me rejoignent dans ce que je fais. Enfin, je vois que vous avez des milliers de vues sur les réseaux sociaux. Vous êtes vraiment un jeune homme de votre époque. La première question que j'ai envie de vous poser, en fait, c'est la deuxième, mais ce n'est pas grave. Un titre en anglais, « I wanna be like you », qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est un titre un peu clin d'œil. En fait, c'est parce que c'est un disque, d'abord, qui a une pièce qui porte ce nom-là, qui est la chanson du roi Louis dans le Livre de la Jungle. Mais c'est aussi un disque uniquement de transcription, donc des œuvres qui ne sont pas à l'origine pour piano. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est que la transcription. Absolument. Mais je vous propose d'abord qu'on regarde pratiquement ce que c'est qu'une transcription. Parce que vous jouez au piano seul, comme Fred, mais en fait, vous convoquez tout un orchestre. Mais peut-être comme Fred aussi, mais... On va écouter d'abord, pour bien comprendre de quoi s'agit-il, on va écouter un concerto fameux, c'est un tube de Jean-Sébastien Bach pour quatre claviers, donc il y a quatre pianistes, okay, et il y a en plus un orchestre. On écoute cet extrait. On a reconnu David Frey, que l'on salue, sera bientôt sur ce plateau. Donc, à partir de cette œuvre qui, quand même, nécessite beaucoup de musiciens, qu'est-ce que vous faites pour le faire rentrer dans un piano et avec vos 10 doigts? Alors, c'est toujours un petit peu un jeu d'illusion, évidemment. C'est-à-dire qu'on... Chaque transcription est un exercice différent, donc on doit adapter. Dans certains cas, on doit rajouter beaucoup de choses. Dans certains cas, on doit supprimer parce que par la force des choses, 10 doigts, ce n'est pas 40. Mais c'est un jeu d'illusion parce que dans tous les cas, on essaye d'évoquer autre chose que simplement un piano. Ce qui est merveilleux, c'est que vous ne faites pas une adaptation, mais vous créez vraiment quelque chose de nouveau, de différent. Quand j'écoute vos disques, j'écoute une musique que je n'ai jamais entendue. Exemple, ce qu'on vient d'écouter, Jean-Sébastien Bach, quatre claviers, un homme seul.
la transcription, la réduction, je sais pas comment, tous les termes qui peuvent... C'est pas nouveau, au 19e siècle, Liszt faisait ça très bien, n'est-ce pas? Même Bach l'a fait lui-même, il a adapté lui-même. En fait, cette pièce... Mais même Jean-Sébastien Bach, il a piqué à Vivaldi. Exactement, c'est une pièce qui est à l'origine pour quatre violons, que Bach a retranscrite pour quatre clavecins, et ensuite, moi, pour piano seul. Donc la transcription, c'est quelque chose qui a existé de tout temps, en fait. L'envie de s'approprier des œuvres qui sont pas écrites pour notre instrument, peut-être de créer quelque chose de nouveau à partir de ces œuvres. Donc en soi, c'est effectivement rien de nouveau. Alors sans doute le fait qu'il y avait peut-être pas de disque, pas d'enregistrement, qu'on n'avait pas tous les jours l'occasion d'entendre un orchestre ou un opéra, ça incitait les gens peut-être à créer ça dans un format plus simple, qui est le format de piano solo. Et donc ça, c'est un petit peu, peut-être un peu disparu aujourd'hui. Il y a une notion très forte dans votre disque, c'est le plaisir. Oui. Comment vous décririez ce plaisir ? Il y a un aspect de jeu aussi dans la transcription. Pour moi, en tout cas, il y a un pari au départ, c'est de se demander... Est-ce que ça va marcher? Et ça, on ne sait pas avant de passer des heures à écrire cette transcription et avant de la jouer. Il y a un challenge aussi, et justement, ce CD en particulier, une partie du jeu, c'était d'essayer d'avoir un maximum de langages différents, en fait. Donc, il y a une œuvre baroque, comme le Bach, il y a plein d'œuvres inspirées du romantisme, comme chez Scheherazade de Rimsky-Korsakov, des danses de la Renaissance, une pièce un peu liée à un jazz band. Donc, c'était un peu l'idée de voir... Dans quelle mesure, chaque fois, le piano peut devenir autre chose qu'un piano et évoquer plein de langages différents? Alors, il y a dans le disque qu'il vient d'enregistrer une notion qui est l'humour, la joie, le plaisir. Est-ce que c'est des notions importantes pour vous, Fred Hirsch? Absolument. J'aime jouer une musique qui soit amusante, qui ait de l'âme. Quand je pense à Bach, je joue du Bach chez moi parce que j'aime cette musique, mais aussi il y a une certaine joie dans nombre de ces morceaux, particulièrement pour le piano. Ça fait partie des musiques les plus joyeuses qui aient jamais été écrites, et c'est quelque chose, je pense que c'est vraiment mon travail d'essayer de répandre la joie. Et bien sûr, si moi je m'amuse et que je me sens connecté, alors je pense que c'est pour le public aussi. Il y a un compositeur du XVIe siècle, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, Tilman Soussato. Absolument. Que je connaissais par des fanfares, qui avait repris ça pour les fêtes des semaines médiévales dans mon sud-ouest. On l'écoute et là, vraiment, vous prenez une musique que vous réinventez à votre manière. C'est merveilleux, ça s'appelle « D'où vient cela ?» Particulièrement, n'est-ce pas? En fait, c'est assez marrant parce que c'est des pièces que j'avais en cassette audio quand j'étais tout petit et donc qu'on écoutait sur la route quand on partait en vacances. Et puis, quand les cassettes se sont démodées, j'ai complètement oublié ce compositeur et ses musiques. Et j'ai redécouvert ça 15 ans plus tard ou 10 ans plus tard en voyant le film Elisabeth avec Cate Blanchett. En fait, il y avait la même version et les mêmes pièces dans la musique du film. C'est comme ça que c'est revenu à votre oreille. C'est revenu, je sais que j'allais essayer de les arranger. Vous avez droit, vous aussi, à des questions surprises et cette fois-ci, elle vient de. Un pianiste, évidemment, Geoffroy Couteau. Ah. Bonjour à toutes et tous, bonjour Florian. Dans cette expérience qu'on a vécue lors de notre enregistrement, j'ai pu apprécier ta personnalité. Et du coup, j'aurais bien aimé te poser cette question, puisqu'on est plus ou moins intensément soi-même dans la vie. Qu'est-ce qui te fait, toi, te sentir le plus vivant? Merci, à très bientôt. Ouf, c'est une question pas facile, mais je pense que le moment du concert, c'est un moment où beaucoup de choses se mélangent avec beaucoup d'intensité. Il y a la communion avec la musique, avec le public, le stress, la sensation de danger. Et donc, c'est vrai que je pense que c'est un des moments où on se sent quand même extrêmement intensément en vie. Et parfois, c'est même des choses auxquelles j'ai pensé avant des concerts où j'étais très stressé en me disant vivement que ce soit derrière. Et puis finalement, je me suis dit, mais non, en fait, c'est un moment...
derrière, je ne serais pas aussi en vie que je le suis juste maintenant. Donc, je crois que le moment du concert est quand même un... C'est un moment qui fait intervenir tellement de choses que... Voilà. Fred, dans quel moment de la vie vous sentez-vous le plus en vie? Probablement quand je suis sur scène, vous savez, ou quand je mange un bon repas, ou quand j'ai une bonne conversation, ou quand je suis dehors et qu'il y a la beauté qui m'entoure. Il y a tant de manières de se sentir en vie, mais il y a une manière forte, spéciale d'être en vie quand on joue de la musique. Et moi, je compose spontanément, donc j'écris le script au fil de la pièce. Il y a des personnages, il y a des jalons, mais pour moi, il y a vraiment cette excitation. C'est différent à chaque fois que je le refais. Et je ne peux pas le refaire deux fois de la même manière. Donc il y a toujours cette possibilité du coup de foudre dans l'instant présent. Donc il y a vraiment un élément de danger qui est aussi très amusant dans une performance. Entre vous qui êtes dans une épure presque... C'est idiot peut-être ce que je vais dire, mais japonaise. Une espèce de retenue du silence et une réflexion sur le silence. Et vous qui êtes dans une flamboyance extraordinaire du jeu et du plaisir de la virtuosité, quel est le point commun entre vous deux, musicalement? Mais je ne sais pas, c'est une question difficile, mais... Très. Une chose, je pense que nous avons en commun, c'est que nous aimons le piano. Et ça se ressent. Je pense qu'on aime communiquer à travers la musique. On aime... C'est quelque chose que l'on fait tous les deux. Je médite depuis très longtemps, depuis 25 ans. Chaque jour, je m'assois, je médite. Et quand j'ai commencé à méditer, je me suis rendu compte qu'en fait, je méditais depuis que j'étais... tout petit, mais devant mon piano, c'est de la méditation active. Et quand on joue, il y a une forme d'acte de méditation. Le son, c'est l'encre qui nous sert à méditer, et le flux des notes, l'histoire du morceau. On va finir par une démonstration spectaculaire, puisque vous nous avez offert un live. Un live qui est sur votre dernier album, c'est « I Wanna Be Like You », donc c'est le livre de la jungle de Disney. On regarde quelques images pour se rappeler ce thème formidable composé par les frères Sherman. Voilà, on peut revenir en plateau. Tout le monde connaît cette chanson. Vous l'avez mis dans votre machine, dans votre piano, et vous avez fait un live absolument extraordinaire que vous nous avez offert sur ce plateau. Je vous en remercie. Fred, j'ai une bonne nouvelle. Vous avez encore plein d'albums à enregistrer, et nous vous en remercions. Thank you. Merci. Le livre de la jungle. Florian Nowak, merci, à vendredi prochain.